So the next talk is by Nalini Anantharaman, and she will speak in French, I understand, on de la mécanique céleste à la mécanique atomique. En fait, par mon activité de recherche en mathématiques, je ressens un goût pour la mécanique quantique. Et du coup, au moment de préparer cet exposé, je me suis demandé si Poincaré avait eu le temps de s'intéresser à la mécanique quantique ou si, ses travaux avaient influencé l'évolution ultérieure de la mécanique quantique. C'est ce que je vais essayer de raconter, même si je ne connais pas très bien les aspects physiques qui sont derrière. Alors, Poincaré a écrit deux articles en lien avec la mécanique quantique sur la théorie des quantas, où en fait il examine la théorie de Planck du spectre de radiation du corps noir. Mais c'est pas spécialement de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce que je veux essayer de raconter, c'est l'influence qu'ont eu les méthodes nouvelles de la mécanique céleste sur les travaux de l'équipe de Born, Heisenberg et Jordan à Göttingen, travaux qui ont mené à la mise à bas de la mécanique classique et à l'énonciation des règles de la mécanique quantique sous leur forme matricielle, leur forme opérateur. Alors là, j'ai juste rappelé, probablement de manière... Yves Pommeau m'a déjà fait remarquer que j'avais oublié des choses. J'ai rappelé quelques dates importantes pour les tout débuts de la mécanique quantique. En 1900, c'est l'article de Max Planck sur le spectre de rayonnement du corps noir, où il est, pour obtenir la loi du spectre de rayonnement, il fait l'hypothèse que les fréquences émises par un oscillateur harmonique sont quantifiées. À partir de 1913, Niels Bohr applique des règles de quantification semblables pour calculer le spectre de certains atomes. En 1925, il y a un article de Heisenberg, puis un article de Heisenberg, Born et Jordan, qui sont vraiment les deux articles fondateurs de la mécanique quantique sous leur forme opérateur. Et puis la mécanique ondulatoire, donc la forme ondulatoire de la mécanique quantique, c'est Schrödinger en 1925. Mais Yves m'a dit de ne pas oublier quand même De Broglie qui avait... Voilà, ok, j'enseigne. Donc, désolé, il y aura probablement d'autres oublis du même type. Alors, pour préparer cet exposé, j'ai lu deux textes de Max Born. Je vais pas trop parler de l'aspect ondulatoire, hein, je vais surtout parler des travaux de Born et ses collaborateurs. J'ai lu deux textes de Max Born. Le premier, il date de 1923-1924, et le deuxième, un an plus tard, 1925-1926. Ils sont espacés seulement d'un an, mais entre les deux, il y a un monde, puisqu'entre les deux est paru le premier article de Heisenberg sur la naissance, sur la version opérateur de la mécanique quantique. Alors, le premier texte, en fait, c'est une série, c'est des notes de cours basé sur des exposés que Born a fait à Göttingen devant des étudiants. Et le deuxième texte, ce sont aussi des notes de cours données aux étudiants du MIT. Donc dans les deux livres, à chaque fois, Born commence par des rappels très détaillés de mécanique classique. Il nous rappelle la formulation lagrangienne, hamiltonienne de la mécanique classique. Ensuite, il explique en détail les règles de quantification de Born et comment elles sont appliquées pour calculer le spectre de certains atomes. Ensuite, le premier livre se termine par l'étude de l'atome d'hélium, qui est un problème à trois corps. Il essaie d'appliquer les règles de quantification combinées avec les calculs perturbatifs de la mécanique céleste. Et dans le premier livre, il conclut que ces calculs aboutissent se conclut par un échec, se termine dans l'impasse. C'est ainsi que se termine le premier livre, alors que dans le deuxième, il y a toute une partie sur la nouvelle mécanique, la mécanique quantique, les équations de Heisenberg. Donc finalement, c'est l'échec des calculs sur l'atome d'hélium qui a mené à la conclusion qu'il fallait créer une nouvelle mécanique. Et puis à la fin,
à la fin de l'exposé, si j'ai le temps, je parlerai un petit peu de quelque chose qui est plus lié à mon thème de recherche, la thématique du chaos quantique, qui est aussi un domaine sur lequel plane l'ombre de Poincaré, puisque, comme on l'a entendu hier, ce sont ces travaux sur le problème des trois corps qui ont donné naissance à la théorie du chaos. Donc là, je vais raconter un peu plus en détail le contenu d'une partie de ces deux livres de Born. Je vais dire ce que sont les règles de quantification de Bohr. Je vais dire comment un certain nombre de physiciens ont pu essayer de les appliquer à l'atome d'hélium et comment ils ont conclu à un échec de cette approche. Et puis, je dirai quelques mots sur les travaux qui ont suivi dans les années juste après, 1926-1927. Alors, pour énoncer les règles de quantification de Bohr, il y a plusieurs étapes. On commence par écrire les équations du mouvement sous leur forme classique. Donc, on part d'un Hamiltonien, H de Q et de P. Q, ce sont les variables de position, Q1, Q2, Qf, et P, les variables impulsion, P1, P2, Pf. Donc là, je prends vraiment les notations de Born. F, c'est le nombre de degrés de liberté. Et puis on écrit le mouvement, il est donné par les équations de Hamilton. Pour les atomes, on utilisait un modèle planétaire, donc des interactions coulombiennes entre les électrons et le noyau. Donc c'était un Hamiltonien correspondant au modèle planétaire. Ensuite, deuxième étape, on cherche à intégrer les équations du mouvement en essayant de trouver des coordonnées action-angle qui seront notées W et J. Donc W1, W2, WF, ce sont les variables d'angle, et J1, J2, JF, les variables d'action. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir le changement de variable qui a QP associe WJ. Si possible, ce qu'on espère faire, c'est que ce changement de variable transforme le Hamiltonien H de Q et de P en une fonction W qui ne dépend plus que de J. Si on arrive à faire ça, les équations du mouvement, elles prennent une forme particulièrement simple, puisqu'on a J point égale 0, donc J est une constante du mouvement, et WK point, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à grand JK. C'est une fréquence que je vais noter nuK. Et donc, autrement dit, WK, il évolue de manière affine par rapport au temps. Donc en fait, si on arrive à résoudre les équations sous cette forme-là, ça veut dire qu'on a un espace des phases qui va être feuilleté par les lignes les surfaces de niveau J égale constante, qui sont en fait des variétés de dimension f dans un espace de dimension 2f. Et on peut démontrer que pour pouvoir faire ça, il faut supposer en fait que le mouvement est complètement intégrable. Et on peut démontrer que du coup, si les lignes de niveau sont compactes, en fait, ce sont des tors de dimension f. Alors comment on fait pour d'après Born, comment on fait pour trouver ces coordonnées action angle? On cherche une fonction génératrice du changement de variable QP donne WJ. Donc, ça va être une fonction S de Q et de J qui va permettre d'exprimer les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes par ce jeu de relations-là, PK égale DS sur DQK, WK égale DS sur DJK. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est la fonction grand S qui doit être solution de l'équation de Hamilton-Jacobi. Donc, encore une fois, si on veut vraiment trouver une telle fonction f, il faut que le système soit complètement intégrable. Born nous explique, dans certains cas particuliers, comment on fait pour résoudre explicitement l'équation de Hamilton-Jacobi. Quelque chose qui est un petit peu surprenant, c'est qu'il ne discute jamais la question de savoir s'il y a une solution globale ou non. Il parle pas du tout de ce problème, alors que c'est une question qui est importante même pour la mécanique quantique. En général, il n'y a que des solutions locales, mais il ne s'occupe pas trop de cette question. Donc on cherche à résoudre cette équation. Il utilise aussi une fonction génératrice duale, S étoile, qui est maintenant une fonction de Q et de W,
qui est relié à grand S par cette formule suivante, c'est S moins la somme des WKJK, et qui permet aussi d'exprimer les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, mais par maintenant les relations, ce sont PK égale DS étoile sur DQK, JK égale moins DS étoile sur DWK. Avant d'énoncer les règles de quantification, il faut normaliser les coordonnées action angle parce qu'elles ne sont pas, uniques. Alors, ce que demande Born, c'est que d'une part, la variable W, j'ai dit que les lignes de niveau J égale constante, ce sont des tors. On va demander que en fait, ces tors soient de la forme RF sur ZF. Donc, et puis, on va demander que la fonction génératrice S étoile soit une fonction ZF périodique de W. Et sous ces hypothèses, Born et Hund démontrent le théorème suivant. Il faut supposer donc que les fréquences nuk soient incommensurables. Ça veut dire qu'il ne doit pas exister de relation linéaire à coefficient entier entre les fréquences. Sous cette hypothèse, alors, les coordonnées d'action J1, J2, JF sont définies de manière unique à une transformation linéaire inversible à coefficient entier près. Et ça, c'est important pour que les conditions de quantification soient bien définies de manière intrinsèque. Et du coup, alors que nous disent les règles de la mécanique quantique en 1924, juste avant l'énoncé des nouvelles règles, elles nous disent qu'en fait, donc c'est ce que Born appelle... la version semi-classique de la mécanique quantique, donc c'est semi-classique, c'est pas au sens actuel dans lequel on l'utilise actuellement, mais il appelle ça une version semi-classique, que ça mélange à la fois une description classique et puis des règles quantiques. Il nous dit qu'en fait, le système ne peut vivre que sur certains tors invariants qui forment une famille discrète. Et c'est les temps invariants que le système peut occuper, ils sont justement décrits par des conditions de quantification qui sont de dire que les JK doivent être des multiples entiers de la constante de Planck H. Donc le système ne peut occuper qu'une famille discrète de temps invariants et puis quand il échange de l'énergie avec le monde extérieur, il peut sauter de manière discontinue d'un temps invariant à un autre. Il a aussi besoin, comme après, il veut appliquer cette théorie au problème keplérien, il a aussi besoin de traiter des cas dégénérés, donc des cas où les fréquences sont commensurables. Autrement dit, il existe une relation entre les fréquences linéaires à coefficient entier. Donc dans ce cas-là, en fait, par application d'une transformation linéaire à coefficient entier, sur les coordonnées action-angle, on peut toujours se ramener au cas où la fonction W ne dépend que des S, petit s, première variable d'action, où S est plus petit que F, et donc ses dérivées par rapport aux variables d'action suivantes sont nulles. Et du coup, on suppose par contre que les premières fréquences nu1, nu2, nu s sont incommensurables, et donc il y a une version un peu plus généralisée du théorème précédent qui dit que sous ces hypothèses, les coordonnées J1, J2, JS sont définies de manière unique à une transformation linéaire inversible entière près. Et dans ce cas-là, on a affaire à des conditions de quantification dégénérées. Il n'y en a plus que S au lieu d'en avoir F. On dit que les J1, J2 jusqu'à JS doivent être des multiples entiers de la constante de Planck. Alors après... Born traite très en détail le cas d'un mouvement à force centrale. Donc il fait vraiment tous les calculs explicites dans le cas où le Hamiltonien, c'est la forme énergie cinétique plus un potentiel ne dépendant que de la distance à l'origine, qui n'est pas forcément keplérien a priori, hein, c'est juste une force centrale. Donc, il se place en coordonnées sphériques. Il y a un plan horizontal choisi de manière quelconque.
Et puis, il fait tous les calculs, il résout l'équation de Hamilton-Jacobi, et il calcule les coordonnées action-angle auxquelles on peut appliquer les conditions de quantification. Alors, qu'est-ce qu'il obtient ? Donc, les variables d'action, c'est J1, J2, J3. Il obtient pour J3 la composante verticale du moment angulaire. Il obtient pour J2 le moment angulaire total. Et puis J1, c'est une quantité qui est un peu moins explicite, mais qui dépend en fait aussi de l'énergie. Et ce qui montre, c'est que quand on a un potentiel central, en fait, l'énergie W, elle s'exprime uniquement en fonction de J1 et de J2. Elle ne dépend jamais de J3, donc il y a déjà toujours une dégénérescence. Et puis, que sont les variables d'angle associées ? Alors, W3... Du coup, W3, ben, c'est une constante du mouvement, puisque l'énergie ne dépend pas de J3. W3, alors, je suis pas... alors ça, c'est l'origine. Si on prend le vecteur vitesse, le plan contenant l'origine et le vecteur vitesse, il va couper le plan horizontal selon une droite. Et W3, c'est la longitude de cette droite. Donc le fait que W3 est constant, on retrouve le fait bien connu que le mouvement est dans un plan. Ensuite, qu'est-ce que c'est que W2 ? Maintenant, si on se place dans le plan du mouvement, dans le plan du mouvement, je vais appeler phi la variable angulaire, psi, pardon. W2, c'est, il montre que c'est de la forme psi plus une fonction de J1, J2 et R, la distance à l'origine. Ce qui veut dire qu'en fait, si on regarde, alors je vais essayer, j'arrive jamais à bien faire ce dessin. Donc si on se place dans le plan du mouvement et qu'on a en tête une petite perturbation du mouvement keplérien, en fait, il faut imaginer une rosace qui est en fait comme une ellipse qui tourne. Et ce que dit cette équation, c'est que si le fait que W2 varie de manière à vitesse constante, ça nous dit que sur la trajectoire, si on regarde les points qui sont tous à même distance de l'origine, donc on regarde R fixé, par exemple, on regarde le périhélie, les points les plus proches, bon, c'est ça que j'arrive jamais à dessiner, les points, on peut regarder aussi le point le plus loin. En fait, le périhélie tourne à vitesse constante, avec la fréquence de précession nu2, justement. Donc W2, ça correspond à la précession du périhélie. Et puis finalement, le W1, c'est toujours dans ce plan, c'est l'air balayé par le mouvement. Donc le fait que W1 varie de manière linéaire, c'est on retrouve la loi des airs. Et du coup, en fait, pour un mouvement à force centrale, on a au plus deux conditions de quantification. On a J1, si on applique les règles de quantification, on a J1 égale un entier fois la constante de Planck, et J2 égale un entier fois la constante de Planck. Donc, N, c'est ce qui s'appelle le nombre quantique principal, qui correspond à la quantification de l'énergie, et K, c'est le nombre quantique secondaire, qui correspond à la quantification du moment angulaire. Après, dans le cas particulier keplérien, il y a une dégénérescence de plus. Donc le cas keplérien, c'est U de R égale une constante sur R au carré. C'est un cas encore plus dégénéré, puisque dans ce cas-là, le calcul montre que W, ça s'écrit comme une constante sur J1 au carré. Donc W ne dépend pas de J2 dans ce cas-là. Donc c'est un cas dégénéré où il y a une seule condition de quantification. On écrit simplement que J1 égale NH.
ce qui nous permet de calculer les niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie quantifiés, hein, c'est une constante sur h carré n carré. C'est moins, oui, oui, moins. Enfin, ça dépend si... Hein. Ah, pardon. Oui, oui. Bon, puis là, il y a peut-être un moins aussi, enfin, si c'est positif. Donc, c'est en appliquant ces règles hein, que Bohr calculait le spectre d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et c'est ce qui a fait le succès de cette théorie. Ça marchait bien aussi... pour tous les systèmes, un électron, ça marche bien. Donc, l'ion hélium plus, ça marche bien. Et apparemment, en théorie aussi, lithium plus plus. Cette théorie, elle permettait aussi... je répète ce que dit Bohr. Hein, elle permettait aussi d'expliquer de manière satisfaisante le spectre des métaux alcalins, qui sont la première colonne de la classification périodique. Parce que... Alors... Donc pour ces éléments-là, apparemment pour les éléments de la première colonne, en fait, on peut expliquer le spectre en considérant qu'il y a un électron externe qui se meut en fait dans le champ moyen, dans la force centrale moyenne créée par tous les autres électrons et le noyau. Donc, du coup, c'est plus une force keplérienne, mais c'est un modèle où le U de R, c'est moins C1 sur R, moins C2 sur R2. Il y a un développement comme ça. Donc, en général, dès qu'il y a un terme supplémentaire, il y a la deuxième dégénérescence est levée. Et puis, ça donne, quand on applique les conditions de quantification, ça donne des formules qui s'appellent formules de Rydberg-Ritz, ou les niveaux d'énergie. C'est une petite correction à cette formule-là. C'est la même constante sur h carré n plus delta au carré. Et delta, on l'exprime comme un développement... Delta, on l'exprime en fonction de k et de n, les deux nombres quantiques, sous forme d'un développement asymptotique. Et on voit que delta est d'autant plus petit que petit k est grand, donc que j2 est grand. Donc plus j2 est grand, plus on se rapproche du modèle keplérien. Et apparemment, ça marchait bien donc pour un certain nombre d'atomes. Il y avait quand même plusieurs questions fondamentales non résolues au moment où Born écrit son premier livre. D'une part, la question de la multiplicité des raies observées expérimentalement. Parce qu'en fait, quand on regarde le spectre des atomes, il y a certaines raies, si on regarde de plus près, elles sont multiples. Et il fallait expliquer ces multiplicités. Alors, une idée, c'est d'introduire une petite déviation par rapport au modèle de champ central, ce qui a pour effet de rajouter, de lever toutes les dégénérescences, donc de rajouter des conditions de quantification, et donc de faire apparaître des multiplicités. Mais en fait, les multiplicités qu'on obtient de cette manière-là, ça ne concordait pas forcément avec l'expérience. Donc, Bohr, en 1925, il avait donné une règle un peu ad hoc qui servait à prédire quelles allaient être les multiplicités, mais Born n'aime pas trop apparemment cette règle, il la qualifie de cabalistique. Une autre question importante, c'était de comprendre comment les électrons se répartissaient par niveau d'énergie, puisqu'on observait qu'il y avait l'air d'avoir un nombre maximal d'électrons autorisés par couche d'énergie. Et ça a été aussi les débuts d'explication, hein, c'est l'introduction d'un quatrième nombre quantique, le spin, à partir de 24-25, donc par Paoli, Goudsmit et Uhlenbeck. Mais donc là, on est début 1925, et d'après Born, là, la théorie, cette théorie semi-classique, elle a atteint ses limites. On ne peut pas aller plus loin, et la preuve, c'est que ça échoue complètement pour l'atome d'hélium, qui est l'atome qui suit l'atome d'hydrogène dans la classification périodique. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Quels sont les calculs que les gens essayaient de faire sur l'atome d'hélium? Un atome d'hélium, c'est un noyau avec deux charges. Alors, on ne s'occupe pas trop de ce qu'il y a dans le noyau. Et puis, deux électrons avec deux charges négatives. Donc,
par rapport au problème planétaire, là, évidemment, il y a répulsion entre les deux électrons. Alors, on peut déjà dire, a priori, on peut déjà dire, bah, comme c'est un problème qui n'est pas complètement intégrable, les règles de quantification, la méthode précédente ne s'applique pas, et puis on aurait pu s'arrêter là et dire ça ne marche pas. C'est déjà ce que dit... Il y a un article d'Einstein qui date de 1917 où il fait cette remarque. En fait, c'est un article où il... Le but principal de cet article, c'est d'énoncer de manière correcte les règles de quantification pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté, parce qu'apparemment, il y avait une version évidemment incorrecte qui circulait, et donc le but, pour lui, c'est de rétablir une version qui a un sens, qui est intrinsèque. Mais à un moment, il fait cette remarque, il dit s'il existe moins de L intégrale du mouvement, comme cela a été démontré par Poincaré pour le problème des trois corps, alors les variables PI ne peuvent pas s'exprimer en fonction des QI, c'est comme ça qu'il dit que ce n'est pas complètement intégrable, et les règles de quantification sont en défaut, même dans la forme un peu plus générale que j'ai donnée ici. Donc on savait déjà, grâce à Poincaré, hein, qu'il n'y avait pas de chance, ça ne serait pas possible d'appliquer de manière exacte cette méthode. Bon, cependant, on a quand même essayé de... Il y a eu quand même un espoir d'utiliser les développements perturbatifs qu'avaient l'habitude d'utiliser les astronomes, et en particulier qui avaient été complètement clarifiés par Poincaré, dans l'espoir d'obtenir des formules approchées pour le spectre, donc des formules qui seraient au moins utiles pour des applications numériques. Donc, qu'est-ce qu'ont essayé de faire les gens? Là, je vais d'abord parler de l'état fondamental de l'hélium. Ce sont les travaux dont il y a Bohr. C'est surtout Bohr qui a travaillé sur l'état fondamental. Donc, quelle est l'idée? On écrit le hamiltonien, donc il y a ce premier terme-là, c'est simplement l'interaction keplérienne entre chacun des deux électrons. Je reprends ces variables, j'écris les choses par rapport aux variables d'action. Donc ce sont les interactions keplériennes entre les électrons et le noyau. Et puis il y a un terme qui s'y rajoute, qui est la répulsion entre les deux électrons, donc qui est en E carré sur la distance par rapport à la distance entre les deux électrons. Et puis on a envie de dire que ce deuxième terme, c'est une perturbation du premier. Donc on écrit que ce hamiltonien, c'est H0 plus lambda fois H1. Et puis l'idée de la théorie perturbative, c'est de chercher la solution de l'équation de Hamilton-Jacobi sous forme d'un développement en puissance de lambda. Et donc quand on met S0 plus lambda S1 plus lambda carré S2, etc., quand on injecte cette formule dans l'équation de Hamilton-Jacobi, on trouve des conditions sur les SI et qu'on peut résoudre. Donc c'était ça l'idée. Alors, évidemment, on peut tout de suite penser que c'est un peu farfelu d'essayer de faire ça comme ça, parce que dans le cas de l'atome d'hélium, hein, ce terme-là, il n'est pas du tout petit devant les autres, il est vraiment du même ordre de grandeur. Mais bon, si on veut résumer ce qu'ont essayé de faire les physiciens, ils ont dit, bon, on va faire comme si ce terme-là était une petite perturbation des deux autres. On va calculer, ils ont fait en plus les calculs à l'ordre 1 ou maximum 2, hein, parce que c'est très lourd à faire à la main. On va calculer la solution approchée de l'équation de Hamilton-Jacobi, en faisant comme si lambda était petit. Ensuite, si on applique les règles de quantification au système perturbé pour lambda petit, on voit que les règles de quantification, elles sélectionnent un état fondamental très particulier, et c'est ça qui est l'état fondamental de l'atome d'hélium. Et ensuite, l'étape qui est un peu douteuse, hein, c'est qu'ils font comme si ce calcul marchait aussi pour lambda plus grand. Mais ils savent très bien, hein, ils savent très bien que ces séries, par exemple, ne convergent pas, parce qu'ils citent. Alors, ce qui est frappant, c'est que vraiment, Born, il a lu les méthodes nouvelles de la mécanique céleste très en détail. Il cite Poincaré sans arrêt.
Et il sait très bien que la série ne converge pas. Il dit quand même qu'en astronomie, même si la série ne converge pas, on sait que ça peut être utile pour faire des calculs numériques parce qu'on peut tronquer. Et en général, ça marche bien d'un point de vue numérique. Donc il a l'espoir que ça va aussi donner de bonnes applications numériques pour l'atome d'hélium. Alors moi, en lisant ça, au début, j'ai trouvé ça un peu farfelu parce qu'il fait le calcul à l'ordre 1. Et donc, on ne sait pas trop si ça a une chance de donner un bon résultat. Après l'exposé de Rick Muckel, qui nous a montré qu'en fait, c'était quand même, ça pouvait être très, très dur numériquement de faire la différence entre un système complètement intégrable et un système un peu chaotique, finalement, je me dis que ce n'était peut-être pas si farfelu que ça, d'essayer au moins pour voir si ça marchait. Alors, il fait les calculs très en détail en citant toujours... Alors, ce qu'on sait, c'est que la méthode perturbative, pour l'appliquer, le cas le plus simple, c'est si les fréquences sont... il y a des problèmes qui apparaissent quand les fréquences sont commensurables, ce qui est le cas ici. Donc, il y a tout un tas de difficultés techniques à surmonter, et il le fait en citant à chaque fois un passage des méthodes nouvelles de la mécanique céleste. Bon, il y a déjà ce qu'il appelle une dégénérescence intrinsèque qui vient du fait que le Hamiltonien non perturbé ne dépend que de J1. Donc il y a les fréquences nu2 et nu3 des deux électrons qui sont toutes égales à zéro. C'est le premier problème à traiter. Il y a aussi ce qu'il appelle dégénérescence accidentelle qui vient du fait que comme on impose des conditions de quantification sur J1, les fréquences associées vont être forcément commensurables, hein, puisque... les fréquences associées, c'est nu1, c'est la dérivée de H0 par rapport à J1. Donc ça va être en une constante sur J1 au cube. Et puis la même chose pour nu'1, donc du coup, les deux fréquences des deux électrons, nu1 sur nu'1, ça va être n au cube sur n' au cube. Donc ça, c'est une dégénérescence accidentelle qui vient du... Ah oui, j'ai oublié quand même de dire quelque chose, c'est que pour calculer l'état fondamental... Il suppose que avant perturbation, l'état fondamental il va être donné par les nombres quantiques n égale 1, k égale 1, n' égale 1, k' égale 1 pour les deux électrons. Donc ça, géométriquement, ce que ça veut dire, en particulier le fait que comme n et k sont égaux, on a J1 égale J2. Et si un petit calcul montre que ça veut dire qu'on est dans un cas où les deux atomes ont des orbites circulaires. Donc on va partir d'une situation où les deux électrons ont des orbites circulaires comme état non perturbé. Bon, c'est pas très bien dessiné, c'est en perspective. Et ça donne une dégénérescence supplémentaire, puisqu'en fait, le cas J1 égale J2, ça veut dire qu'on a des orbites circulaires, donc des ellipses dégénérées. Ça veut dire qu'on est à un endroit où le feuilletage en tore lagrangien invariant est dégénéré. Et ça, c'est aussi... Alors, ces trois problèmes sont à chaque fois traités dans un chapitre des méthodes nouvelles qui est cité avec précision par Born. Donc, il fait le calcul, que je ne vous fais pas devant vous, et il montre que les conditions de quantification... appliquées au système perturbé à l'ordre 1, elle montre que l'état fondamental, il est l'un des quatre suivants, dont deux, il y en a deux qui considèrent comme étant impossible physiquement. Soit, en fait, les deux cercles sont coplanaires et les deux électrons tournent en sens inverse, mais ça, il dit que ce n'est pas possible physiquement parce qu'il y aurait une collision entre les deux électrons. Donc ça, il l'élimine. Soit les deux
électrons, soit les deux orbites circulaires sont coplanaires avec les deux électrons diamétralement opposés et tournant dans le même sens. Donc ça, c'est un état, c'est la représentation plane de l'atome d'hélium. Ou autre possibilité, c'est le cas justement où il y a deux orbites circulaires comme ça qui font un angle de 60 degrés. Et puis alors soit les deux électrons passent ici au même moment, mais ça il dit c'est pas possible parce qu'il y aurait une collision entre les électrons. Et autre possibilité, ils passent simultanément pendant que l'un passe ici, l'autre passe là. Donc finalement, il y a une représentation plane de l'atome d'hélium et une représentation spatiale. Qu'est-ce que j'ai... Ah, d'accord. Oui. Il fait le calcul de l'énergie de ces états, toujours à l'ordre 1 perturbatif, où je crois que Kramers l'a fait à l'ordre 2. Et il compare cette énergie avec l'énergie de l'état fondamental de l'ion hélium+. Ça, on sait le calculer parce que c'est un système à un électron. Il dit que la différence entre les deux, c'est l'énergie d'ionisation de l'électron, c'est l'énergie nécessaire à éjecter un électron. Il compare ça aux données expérimentales et ça ne marche pas du tout. Et il publie un article, enfin Bohr publie un article pour dire que ça ne marche pas. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ils ont publié des articles pour dire que ça ne marchait pas, avec tous les calculs détaillés. Après, il y a un article, alors ça, c'était les travaux de Bohr sur l'atome d'hélium. Il y a un article de Born et Heisenberg sur les états excités. Je vais essayer de passer un peu moins de temps. Ils regardent des états excités où maintenant, donc ça, c'est toujours le noyau, il y a un électron qui est dans son état fondamental, donc nombre quantique n égale 1, k égale 1, et puis il y a un autre électron qui est très loin, et ils font une approximation qui est inspirée de la méthode des perturbations séculaires. Ils disent qu'en fait l'électron externe, il se meut dans un... il est soumis à un Hamiltonien qui est obtenu en moyennant la force créée par ce système sur une période. Et du coup, il calcule en fait les niveaux d'énergie de l'électron externe. Donc ça lui donne une formule encore de type Rydberg-Ritz. Et à nouveau, ça ne concorde pas du tout avec les résultats expérimentaux. Donc conclusion, ils disent, bon là on est arrivé dans une impasse, il faut inventer une nouvelle mécanique. Et c'est ce que fait. Il y a d'abord un article de Heisenberg en 1925 où il a écrit, il avait 24 ans, et il dit voilà, je vais inventer des nouvelles règles pour les équations de la mécanique. Et juste, je donne un petit peu l'idée. Il dit que dans la description classique, une observable, donc c'est une fonction sur l'espace des phases, si on l'écrit en coordonnées action angle. Comme c'est une fonction périodique de W, elle a un développement en série de Fourier, somme des CM de J exponentielle de Zpi M scalaire W. Et puis si on regarde maintenant comment une observable évolue dans le temps, comme W, ça varie de manière linéaire en temps. W, c'est nu fois T, où nu, c'est le vecteur des fréquences, de dW sur dJ. Et puis, dans la théorie classique du rayonnement, en fait, le système, il émettait un rayonnement de toutes les fréquences m scalaire nu. Mais ça, en fait, pour les atomes, on savait que les fréquences émises, ce n'était pas donné par cette formule. Les fréquences émises, on savait qu'elles étaient données par la formule grand W indice M1. Donc, on fait grand W indice M1 moins grand W indice M2. Donc, la différence d'énergie entre deux états stationnaire divisé par la constante de Planck. Donc ce que dit en fait Heisenberg, c'est que du coup, on n'a qu'à dire qu'une observable, c'est une collection de coefficients, c'est un petit peu pour faire quelque chose d'analogue à la formule précédente. Une observable, maintenant, ça va être une collection de coefficients indexés par les couples d'états stationnaires et qui évoluent dans le temps selon cette formule. Et puis il écrit... Il écrit comment on additionne des observables, comment on multiplie des observables. Apparemment, il ne connaissait pas les matrices, parce qu'il réécrit tout. C'est
Born et Jordan, qui dans l'article après lui ont dit que c'était des matrices en fait. Et puis il invente des nouvelles lois de la mécanique où le crochet de Poisson est remplacé par le crochet des observables. Dans cette nouvelle mécanique, en fait, intégrer les équations du mouvement, il montre que ça revient à savoir diagonaliser l'opérateur, l'observable hamiltonien. Et puis l'année d'après, en fait, il fait les calculs pour les systèmes à deux électrons, donc l'atome d'hélium et l'ion lithium plus. Donc il calcule le spectre, il fait des calculs de spectre. C'est à nouveau, c'est des calculs approchés parce qu'un spectre, ça peut rarement se calculer de manière exacte. Et ce qu'il dit, c'est que les résultats qu'il obtient, ils sont bons qualitativement, mais médiocres quantitativement. Donc il faudra trouver des meilleures méthodes d'approximation. Mais enfin, il a quand même l'air content de. Donc bon, c'est la naissance de la version opérateur de la mécanique quantique. Alors, depuis hier, on s'est souvent posé la question qu'aurait pensé Poincaré, qu'aurait dit Poincaré s'il avait vu ceci ou cela. Là, je crois qu'on peut rêver un petit peu à imaginer ce qu'aurait dit Poincaré en voyant les calculs perturbatifs qui ont été faits par les physiciens. Je ne sais pas du tout, hein, mais il aurait certainement eu son mot à dire. Il aurait peut-être tiré des conclusions complètement différentes de ce qu'a fait Heisenberg. Mais en tout cas, même si l'utilisation qui a été faite des méthodes perturbatives n'est pas complètement dans les rails de la rigueur, on peut quand même dire que c'est le genre d'utilisation qui était escompté par Poincaré, puisque dans les méthodes nouvelles, il commence par dire qu'on pourra y trouver un terrain solide sur lequel on pourra s'appuyer avec confiance, et ce sera là un avantage précieux dans toutes les recherches, même dans celles où on ne sera pas astreint à la même rigueur. Donc je pense qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu une base saine pour la mécanique céleste, les physiciens des années 20 n'auraient pas pu s'en servir comme terrain d'exploration pour l'atome. Bon, alors, j'ai pas énormément de temps. Je vais dire quelques mots. Donc, c'est un sujet. J'ai découvert ce lien entre la mécanique céleste et la mécanique atomique cet été en préparant cet exposé. Mais ça me tient à cœur parce que je travaille depuis quelques années sur la thématique du chaos quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que le chaos quantique ? Là, ce que j'ai expliqué, finalement, ça montre que la mécanique quantique, elle est plutôt née de la nécessité de comprendre des systèmes complètement intégrables ou des perturbations de systèmes intégrables. Mais on peut se demander ce qu'on peut dire d'intéressant sur les spectres des Hamiltoniens qui, au contraire, sont chaotiques. Et souvent, on fait remonter cette question au même article d'Einstein que j'ai déjà cité précédemment, où donc, il dit que les règles de quantification marchent seulement pour les systèmes complètement intégrables, et il fait la remarque au milieu de l'article qu'en particulier, elle ne s'applique pas au système de la mécanique statistique pour lequel la moyenne microcanonique est égale à la moyenne temporelle. Donc il parle, c'est ce qu'on appelle, je pense, un système ergodique maintenant. Donc souvent, on dit que c'est cette remarque qui est le début de la question du chaos quantique. C'est un sujet qui a quand même dormi pendant pas mal d'années. Ensuite, alors juste là, j'ai écrit quelques dates. Finalement, ce sujet il a pris son essor dans les années 60, et une étape importante, ça a été l'introduction par Widener en 55 de la théorie des grandes matrices aléatoires pour décrire. À l'époque, c'était pour essayer de décrire la statistique spectrale des gros noyaux. C'était pas des modèles atomiques, c'était les noyaux. Donc l'idée, c'est que quand on a un noyau avec énormément de protons et de neutrons, de toute façon, on n'arrivera jamais à diagonaliser le Hamiltonien. Donc on va plutôt dire que c'est le Hamiltonien, c'est une grande matrice aléatoire, et puis faire une analyse statistique. En 1960, Porter et Rosenzweig, ils ont fait une analyse statistique du spectre d'un assez grand nombre d'atomes. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait certains atomes où ça se comportait plutôt comme un processus de Poisson, d'autres atomes pour lesquels le spectre ressemble effectivement à celui d'une grande matrice aléatoire gaussienne,
donc le modèle de Wiener, puis il y a certains atomes pour lesquels c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu intermédiaire. En 73, il y a un article de Percival qui émet l'idée que quand on part d'un Hamiltonien classique et qu'on lui associe un opérateur Hamiltonien quantique, le spectre devrait avoir une allure différente selon qu'on part d'un système complètement intégrable ou d'un système chaotique. Et à partir de 1979, il y a les premières simulations numériques sur des billards chaotiques. Donc un billard, c'est simplement... je vais dessiner le billard en forme de stade. Un billard, c'est le mouvement libre d'une particule dans un domaine euclidien avec rebond sur le bord. Alors ça, c'est le système classique. Et puis le Hamiltonien qui est associé, d'après la représentation de Schrödinger, c'est simplement le Laplacien. Donc ces travaux numériques, en fait, à partir de 1979, ils portent sur le spectre du Laplacien pour des billards ergodiques, donc le billard de Bunimovitch, et puis il y a aussi eu beaucoup de simulations sur le billard de Sinaï. Et puis il y a aussi des travaux un peu plus expérimentaux à partir de 1984 sur l'atome d'hydrogène dans un fort champ magnétique, où on pense que si le champ magnétique est suffisamment fort, en fait, il y a une grande partie de l'espace des phases qui est occupée par un comportement chaotique. Et ces simulations numériques et ces expériences, elles ont mené à deux conjectures qui sont largement ouvertes. Alors, que disent ces conjectures-là ? Ce qui est représenté là, c'est une fonction de comptage d'un spectre. Donc, c'est une fonction en escalier qui croît d'une unité à chaque fois qu'on rencontre une valeur propre. Donc, il y a un comportement moyen là, qui est décrit là, qui est de manière théorique, qui est souvent expliqué en appliquant la loi de Weyl. Et puis, il y a des fluctuations par rapport à ce comportement moyen. Et les deux conjectures, il y a d'une part la conjecture de Berry et Tabor, en 77, qui dit que si on part d'un système complètement intégrable, le spectre, les fluctuations spectrales devraient être statistiquement les mêmes que celles d'un processus de Poisson. Et puis la conjecture de Boigas, Giannoni et Schmidt, en 84, qui dit qu'au contraire, si on part d'un système chaotique, les fluctuations spectrales devraient être statistiquement les mêmes que celles d'une grande matrice aléatoire gaussienne. Alors, c'est des conjectures essentiellement ouvertes. Sur la première, il y a quand même des travaux mathématiques qui datent des années 2000, qui concernent le Laplacien sur le tore, des travaux de Sarnak, Eskin, Margulis, Moses et Marklov. Sur la deuxième conjecture, il n'y a pas du tout d'explication mathématique, il y a des explications heuristiques à partir de la formule des traces. Bon, puis je crois que je vais devoir accélérer un petit peu. Moi, je travaille sur les fonctions propres, essayer de comprendre... ce qui est un peu illustré par ce dessin, essayer de comprendre la localisation spatiale des fonctions propres selon le cas où on part d'un système complètement intégrable ou d'un système chaotique. Alors c'est un... C'est un domaine dans lequel on interagit pas mal avec des physiciens. Alors c'est beaucoup source d'inspiration, c'est aussi un petit peu source de frustration parce qu'on parle pas toujours la même langue. Et j'ai été, en fait, pour en revenir au texte de Born, j'ai bien aimé, ça sont quasiment les dernières phrases du livre, qui montrent en fait, ce qui est frappant en lisant Born, c'est qu'il y a vraiment une confiance en les mathématiques. Déjà, c'est un texte qui est très, très lisible par des mathématiciens. Et puis, il cite sans arrêt les références de Poincaré, il donne des preuves mathématiques, et puis il exprime une confiance en le rôle des mathématiques, l'interaction entre les maths et la physique. Donc la phrase est la suivante. Dans le développement ultérieur de la nouvelle théorie quantique, le physicien ne peut pas se passer de l'aide du mathématicien. L'alliance entre mathématiques et physique qui a régné aux meilleures époques de ces deux sciences reviendra, je l'espère, pour bannir le nuage mystique dans lequel la physique s'est nimbée récemment. Et puis, il y a quand même, pour être honnête, il y a aussi une phrase un peu de mise en garde à l'encontre des mathématiciens.
Cependant, l'activité du mathématicien ne doit pas le mener aussi loin que dans la théorie de la relativité, où la clarté de son raisonnement en est venue à être cachée par une structure de pure spéculation si vaste qu'il est impossible de la voir dans sa totalité. Ça, c'est quasiment les dernières phrases du livre. Il dit après qu'il faut toujours que ça reste confronté au fait, que l'interaction entre les maths et la physique doivent toujours rester confrontées au fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Questions, remarques ? Sorry, you say that among the possible candidates for ground state, some Bohr has excluded for physical reasons, because electrons would collide and so on. But imagine that, and then for those who are left, he made the computation and said it doesn't work. But for those he eliminated, he did not make the computations. Because no. It would be interesting whether, if you forget that by our nowadays intuition that electrons do not collide, whether he had eliminated something that could work or, well. Yeah, I think he didn't make the computation for this one and for the one where they intersect. Okay, thank you. There's something I didn't quite understand. I don't understand how you can correctly quantify a chaotic system while using the assumption, well, in Heisenberg's model, while using the assumption that the observable is decomposable as a Fourier series. No, it's just, he didn't assume, I think that just the way he got the intuition of the new notion of observable. Here, he said, I'm not saying he was assuming that the system was completely integrable or so, he just started from this formula, and because he knew in the classical theory of radiation, apparently the emitted frequencies were this one, M scalar nu, but he knew that was not the correct formula, that was the one. So he just said, let us replace Fourier coefficient by coefficient in depth by two indices. But I think that's just how he got the inspiration. He's not saying that the first one was a correct formula. And then he replaced, he said, in the old version, if you multiply two observables, you get the convolution of Fourier coefficient, and he replaced the convolution operation by product of matrices, etc. But that was just a source of... he was trying to keep a close analogy to the old theory. More questions? Please. J'ai eu connaissance de la thèse de De Broglie, parce que Langevin avait envoyé à Einstein la thèse de De Broglie, et Einstein l'a diffusée. Il ne parle pas énormément de De Broglie, il parle de Schrödinger, mais il ne parle pas... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai oublié... Il ne parle pas beaucoup... J'ai pas vu le nom de De Broglie dans ce que j'ai lu. J'ai pas lu les livres en entier, mais dans ce que j'ai lu, il parle de Schrödinger, sans rentrer du tout dans le détail, mais il parle pas de De Broglie. C'est possible qu'il le cite au passage comme ça, mais il rentre pas du tout. Vous avez posé la question de savoir ce que Poincaré aurait pensé de ça. C'est une question très intéressante. Et il y a peut-être une réponse partielle par anticipation dans un article de Poincaré où il fait un peu l'état de la physique et il parle donc des formules qui ont été obtenues pour le spectre de l'hydrogène et d'autres. Et il dit, bon, ces formules-là font penser au spectre que l'on obtient dans des problèmes plus classiques, celui du Laplacien par exemple.
Mais il dit qu'ils ont une caractéristique très différente. Au lieu de que les valeurs propres s'éloignent à l'infini, en fait, elles s'accumulent sur une valeur finie. Et donc, il dit qu'il faudrait trouver le système vibratoire qui va conduire à un tel spectre. Et la réponse à cette question a en fait été donnée, non pas par, plus directement par Schrödinger, qui a justement trouvé l'équation aux dérivées partielles et le fait de les considérer sur tout l'espace, qui conduit justement alors à ce type de spectre. Donc peut-être, mais c'est conjectural, il aurait préféré Schrödinger à Heisenberg. Il faudra peut-être s'asseoir un soir autour d'une table ronde et puis invoquer l'esprit de Poincaré. So let us thank again the speaker.